Avant de commencer cette vidéo, il faut que je te parle du sponsor de cette vidéo, et ce sponsor c'est Surfshark. C'est un VPN. Avec mon code Crawley, tu as 83% de réduction sur le site et 4 mois gratuits offerts. Donc n'hésite pas, va tester. Si tu as besoin d'un VPN, c'est maintenant qu'il faut tester. Il est très rapide d'utilisation parce qu'il se connecte automatiquement aux serveurs les plus rapides. Il regorge de fonctionnalités qui ne sont pas limitées. Et il est très facile à installer et sur un nombre d'appareils illimité. Et ça pourrait te permettre de regarder des séries ou des mangas, par exemple, en te connectant au Japon pour voir des mangas à l'avance, ou des séries aux États-Unis en te connectant aux États-Unis sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Ça peut être hyper pratique. Moi, par exemple, j'adore les séries, j'adore les mangas. Je t'avoue que voir une série en avance, je suis pas contre. Et surtout, vous êtes hyper sécurisé. Il sécurise vos données grâce à des mesures de pointe, en utilisant un cryptage inviolable et des protocoles VPN les plus sûrs. Ça vous fournit une protection contre les fuites d'IP et DNS. En plus, il existe une application pour chaque plateforme. Tu peux l'installer où tu veux, sur n'importe quel appareil. C'est ça qui est bien. Tu peux regarder tes séries de où tu veux, de ce que tu veux. Et encore merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, je vous dis bon visionnage du petit dude. Tchou. Bon alors, voyez un petit peu la carte. Déjà, ça tire. Et je spawn au port, à l'Oxium, Lighthouse, Village Fish, Underlab. Putain, il n'y a pas une Olrig. Est-ce que j'ai les BP, moi? Non, bah non! J'ai jamais les BP quand je vais sur un serveur. Jamais! Je comprends pas, je dois faire un roulement, je pense. Et à chaque fois, je me dis, oh tiens, ce serveur, ça peut être bien. Bah oui, pourquoi pas? Mais t'as pas de BP, mais bon, comme d'hab. Déjà, avec ça, je vais pouvoir me faire un petit arc si je tape un peu de bois. En plus, j'ai de la pierre, je vais les recycler, je vais me faire un arc. Oh, merde. Là! Je suis Shanti! Mais dès que j'ai une possibilité... Elle me verrait dans la merde. Bon, je sais pas où t'es, mais je m'en vais. Ouais, j'ai pas recyclé assez pour pouvoir me faire un arc. J'avais peur, il y a le monsieur. J'aime bien cet oxyme, j'ai vu que ça a tiré dans le coin et tout. Je pense qu'on va se mettre là, les gars. Hein. Voilà. Putain, enculé de Winnie. Non. Lâche ma fesse gauche. Va-t'en. Qu'une va. Moi j'ai. Ah j'ai chanté, il a croqué fort là. Loup et ours, vous êtes chiants. Pas de tortille du cul, de tout. Mais non, on va faire une 1 sur 2 comme d'habitude. Hein. En plus j'ai vu qu'il y avait une légère côte, les gars, on va pouvoir faire un petit bunker direct là. Ça va pas être dégueu, moi je vous le dis. Putain, il a rien. Et les portes. Oh merde. Je vais mourir. Oh non. Ah, c'était son collègue. Oh putain, LR. Oh les gars, LR. Ah, il me faut un pipe là. C'est bon, il m'a enjaillé lui. Bon bah recommence hein. Ça a l'air, elle est à moi. Je la veux. Tu joues avec quoi. Voilà. Il est où? Il m'a pas joué? Merci Kizzy pour le don. Ah oh merde, il est là. Oh. Vite. Oh, il m'a refait lui. Ça, j'en fous.
avoir ce qu'il faut. Hein. Allez, c'est cool. Grosse base en face, va falloir qu'on aille la checker. Il y a trop de maisons dans le coin qu'on doit checker. Mais d'abord, on sécurise un peu la maison. Ok, grosse base ici, grosse base ici, grosse base là-bas. Putain, on va tous les checker après, les gars. Il y a un hélico sur une base en face. Oh là là, il y a vraiment moyen de se mettre bien dans la zone. Il y a de la pierre en face. Puis-je améliorer ma maison? J'aimerais bien avoir une maison porte en fer, tout ça, quoi. Ce serait pas dégueu, pas se mentir. Nickel! Bon bah parfait, moi ça me va. Bon bah nique les bonbons. C'est la pierre que je voulais aller faire qu'il a fait. Allez, c'est magnifique ça. Parfait. Maintenant qu'on a fait notre start, qu'on a un petit peu de ressources, c'est le moment d'aller checker les bases autour, voir ce qui est possible de faire avec eux, s'ils sont connectés, combien ils sont, comment ils sont armés, et s'il y a moyen de voler quelque chose chez eux. Il y a un trou non? Ah non, il y a pas de trou. Ah mais j'ai besoin de faire, faut que j'aille checker cette enceinte. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Oh merde, un ours. Oh merde! Un ours! Ok, il y a une petite base là-bas, donc je pense pas pouvoir build. Oh bah... Bonjour. Intéressant. Très intéressant, les gars. Mais alors, très très intéressant, parce que là, concrètement, je peux peut-être me faire un piton. Vu. Ok, je peux peut-être casser la tourelle, mais je suis pas sûr. Ah! Merde. Bon, bon bah faut que je revienne. Normalement, il est très facile de casser une tourelle avec trois lances, mais là elles sont bien placées. Le seul moyen que j'ai de casser les tourelles, c'est d'y aller qu'au point de bow et de claquer sans flèche dessus. Oh, mais il y a une grosse caisse et tout par terre là. Oh, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il y a dedans. Merde. Mais non... Il est cool, hein. Ça se trouve, il est en mode crafting, hein. Il va pas sonde, mais... Pour ça, ma poule.
Putain, y a pas un endroit où je peux la casser sans qu'il me voit. Je l'ai pas tué. Je l'ai mis à 6,4 HP. Il est pas mort. Ta gueule. Je la voulais cette putain de toile. Chier. Il doit péter un plomb. Doit dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce ninja là? Ce bâtard là? Il va me haïr! C'est ce qu'on veut, les gars. Qui? Allez, bim, dans ta gueule. T'as pété un plomb, le pauvre! M'en fous, je l'aurai, ta tourelle! J'ai sound, hein. Je l'ai entendu marcher, donc il est là. Hein. J'ai l'impression qu'il veut plus monter. Je lui ai peut-être pété son face mask. Bah merci. Puis pas ce qu'il me fallait. Un petit DB. Ouais, bah tu. On a réussi à récupérer le python. On va essayer de la prendre le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut dominer l'oxium. Essayer de tuer le plus de monde possible dedans et récupérer des scraps en même temps. T'es une personne violente! Ah, je sais pas pourquoi je me mets là, c'est de la merde en plus. What? Non mais mais ça s'est fait, mon capitaine! Débile, lui. 800 scraps! Attends, j'ai eu ça où, là? Aime donc t'avoir si, ceci? Aime donc! On a énervé pas mal de personnes autour de la base, donc là va falloir améliorer rapidement et rajouter des shotgun traps, ce qui peut nous permettre quand même de ralentir des raiders, sachant qu'une petite base de solo player, ils vont forcément passer par les portes.
Donc notre meilleur allié, ce sera toujours les Shotgun Trap. C'est les mecs qui ont prévu le coup là avec les grenades. Ah merde. Ah non. Pas chier. Ah c'est Dena. Faire raid. Gary! Gary! RION 5320 dans 5 euros. Il s'est chié. Il s'est chié, frère. Le mec il s'est roquette incendiaire, il a raté quoi. J'arrive pas à comprendre là. Pff.
Alors eux, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais à mon avis, ils vont pas cueillir des champignons. On a eu énormément de chance parce qu'ils sont venus, la maison n'était pas prête à recevoir qui que ce soit, hein. Les Shogun Trap étaient très mal placés, j'avais pas encore fait ce qu'il fallait pour tout simplement me défendre, j'avais un visu de merde, je ne voyais rien, je pouvais rien faire, heureusement ils sont juste venus pour casser les Trap Shotgun et essayer de dip. En attendant moi je continue à essayer de faire des ponctions lombaires dans l'Oxium et en essayant d'énerver encore le plus de monde possible. What? Je l'ai vu la smile, gars. Je pouvais pas la ramasser. J'ai pas le temps de faire demi-tour. Après une première journée très mouvementée, j'essaye de me déconnecter et d'espérer ne pas me faire raid off
Et le lendemain matin, je décide, hors stream, de commencer à farmer un petit peu pour lancer les fours et améliorer un peu la maison, histoire de prendre un peu d'avance et d'avoir tout de prêt pour le début de la journée en stream. Et heureusement que je me suis connecté tôt, parce que mes voisins avaient une belle surprise pour moi. Рублей за что-нибудь. Я же знаю, это русский. Ты же вчера, блядь, целый день меня... Да. Продай берданку, блядь, да. Да. Продай берданку. Да продай. Давай. Тебе миллион берданку, я знаю. Все, за что купишь? Давай! Что давай? За что? Давай! Что давай? Давай за серу. Сколько тебе серу надо? Давай, люди, убей меня. Я знаю, что ты хочешь. Продай бернок. Ну вот он, я.
Ça défonce, c'est quoi que ça défonce? La roule! Ce début de journée annoncé vraiment une journée exceptionnelle. Je perds pas de temps, je lance le stream, je prends les roquettes et on va aller directement raid ceux qui ont tenté de nous raid. Je peux te dire que c'est sûr à 100% que c'est eux. Parce qu'ils étaient russes, ils m'ont parlé. 2000% c'est eux. Ah ouais, il voulait se barrer, il savait que j'allais raid. Tu les frappes, ça sert à rien, frère.
Non. Merde. Shogun trap de merde. Oh l'enculé. Je sais pas si c'est le proprio mais je pense pas. C'est juste barré mal looté. Fait chier parce que... Je le verrai jamais arriver. Putain, porte de merde. Ok, de la merde, de la merde. Y'a pas de T3, comment ils ont fait pour me raid? Il est revenu, il est revenu, il est revenu. Mais non, mais... À quel moment? Toi, je vais trouver ta bite, je vais t'enculer, frère. T'es pas prêt. Je vais te trouver, la tenue. Je vais te trouver. Ta bite côté mer, c'est sûr. La base en fer là-bas. La base en fer là-bas, ok. C'est bon. T'es mort, frère. T'es mort. Soit je te dip, soit je te raid. Mitty est dead, hein. Il est pas rentré chez lui. Il est en train d'améliorer un HQ. Ah c'est lui c'est sûr. Eh ben je vais voir combien il a de portes hein. Je vous le dis hein. Ouais c'est lui. Mets ta porte. Ouais, c'est lui. Lui préfère jouer piton. Je vais manquer dans mon autre base et je vais essayer de le dip. Non, 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 ferme pas tes portes.
Allez hop, ça c'est mon autre cas. Merci. J'avais tout pris moi. Presque sûr que ça c'est son lit. Ouais, d'un coup il met tout, d'un coup il met aucune balle, il est un peu chelou effectivement. Mais je l'ai dit tout à l'heure hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Ta rouille Schnell. Tous mes voisins sont en train de se connecter au fur et à mesure autour de chez moi. Mon objectif de la journée, les exterminer, tous un par un. Que ce soit du deep, du raid, n'importe quoi, je vais tout tenter pour essayer de me les faire. T'es qui toi? T'es où? Ah merde. Ok, donc lui il est sur son toit. Je vais le tuer au M39 et je vais courir vers chez eux. Cours Forest, cours! T'es pas en danger, mais en face peut-être. C'est peut-être un danger en fait, je sais pas. Moi je dirais à gauche. Et j'ai l'impression d'entendre à droite. Здорово, Русков! Ну, а гуще. Я так.
Qui T'as la porte, hein. Ты тупой, уебище, я бот! Тупая, блядь! Soit ils ont une autre base ailleurs. Soit ils ont une autre base ailleurs. Ouais, j'étais pas fou, c'était bien Tony Rad que j'avais vu. Sauf que c'est bien d'enlever Tony Rad. Mais l'arme est toujours dans ton dos, hein. Ah, t'as beau essayer de m'enfoncer au fond de ton cul, t'inquiète pas que je la verrai toujours, hein. Ah, cette matinée, elle est oufissime. La Thompson, elle venait d'ailleurs. Mais est-ce que c'est un de chez eux, ça? Ou est-ce que c'est le mec Thompson tout seul qui s'est dit, vas-y, ça tire, j'y vais. Aujourd'hui, c'est claquage de cul de tous les voisins. Qui Qui Il y a à peine du troufion sauvage. Je viens pour récupérer votre maison. C'est les impôts. Bonjour, c'est Macron. Ah bah je vous laisse une cabale en paille au fond du jardin, c'est tout. Macron qu'a dit. Le troufion sauvage est à l'affût et prêt à l'attaque, mon capitaine. Je dois se dire, mais c'est quoi ça? Mais attends, je comprends pas, c'est quoi? Pourquoi elle porte par là maintenant? I don't comprendo, de understand, pas logique. Non. Je comprends pas la maison. Je suis désolé, peut-être un peu con. Au bout d'un moment, je comprends pas pourquoi vous ouvrez vos portes et vous essayez pas de vous fight là. Mais d'accord que vu comment ils nous ont parlé tout à l'heure, c'est des Russes? Il y a de la mouche, hein. Ah ouais, porte armo, hein. Ah, c'est compliqué, surtout celle-là, ils peuvent la refermer. Ok, ouais, des amorces. Ouais. Pas les couilles. J'ai assez de seringues pour tenir toute ma vie. Il va falloir me tuer parce que moi je reste là jusqu'à la semaine prochaine. Le truc c'est que je sais pas si j'ai de l'e-contact ici. Normalement oui, mais je sais pas si on me l'a pas cassé ou...
Mais non. Ah bah là, s'ils font pas le TF4... Je comprends pas. Bonjour Altef4, alors ce serait pour 3-4 personnes, grand max. Oui, oui, parce qu'un monsieur, on l'a pas compris, il était dedans. Et puis après, il était dur. Puis il y a une vitesse. Alors soit il a pickaxé plus vite que son ombre, soit on n'a pas compris un truc, mais on veut bien un tuto. Là, je pense qu'ils vont Altef4, je pourrais aller être tranquille après manger. Ouais. Marche bien cette technique, hein. Je l'avais jamais faite encore. Bon, eux, j'ai clairement pas assez pour les raids. Mais il y a la première base où on a cassé les tourelles au début du WAP qui décaille. Je pense que le mec a légèrement live après s'être fait comprendre beau la gueule par un mec. Je pense qu'il a live. On va aller finir de raid leur base. Je suis pas sûr que j'ai réussi à sortir de là-dedans, mais bon. Ça va le faire. Oui, ça va le faire. Mais j'ai un hélico. Après, c'est... C'est un peu spécial comment il est placé, mais... Mais ça peut le faire. Et bah c'est tout ce que j'aurais. Mais non, il m'a wounded. J'aurais dû jouer Bolt, en plus il était Coffee quoi. C'est ceux qui habitent en face. Ou c'est la Thompson qui habite à côté. Je pense pas que ce soit les Thompson de droite. Je veux le Bolt. Ah, il m'a découpé. Je le vois pas, il se cache. Il va revenir normalement. Possible qu'il soit déjà dedans le monsieur. Si je prends pas de balle pour mon Bolt. Ok, donc c'était peut-être eux les counters en face. Mais si je vais le looter, il y a moyen qu'il me Bolt l'autre en face.
Hey, j'ai plus de balles de bol, donc je pourrais pas jouer. Ah, c'était un zombie. Pardon. C'est pas... Voilà, je me suis enjaillé, désolé. Attaque, zombie. Attaque. Attaque, je te dis. Chope-le. Chope-le, jugulaire. Donc c'est eux qui sont venus me couteur. Il y en a un dans le lot, il est pas si mauvais que ça, la Thompson. Allez, ça c'est fait. Bonjour monsieur Thompson, comment ça va? Merci beaucoup pour vos armes. Une petite MP5 avec une voiture. Moi je suis pas contre hein. C'est que je suis de type feignant sa mère, tu vois. Waouh. Ah ouais. Bon, pas le meilleur endroit pour se garer hein, l'ami. J'ai loqué ou pas? Je crois. Voilà, ben voilà. C'est pas si compliqué dans un Duke. Eh mais ils ont une base frère, elle est tellement immense. Ils sont pas capables de venir autre chose que DB. En même temps je leur lave le fion depuis tout à l'heure. Bien, il était sale hein, la vache. Il est où ton DB? Je trouve pas. Si tu penses que je vais venir, tu rêves. T'avais un DB toi avant. Même si une tenue rad en direction que. Mais what? Il est en train de raid une maison le bot là. Le bot il est en train de raid une maison. What the fuck? Ouais. Ok, d'accord, là je me fais raid. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah.
chier. C'est son pote Thompson qui va revenir. Mais non, mais je vais sauter dessus, je vais pouvoir le tuer, mais quel con. Les gars, je pense qu'on va pas tortiller du cul pour chez le roi. On va partir sur un suicide, on s'en bat les couilles. On est là pour jouer. Je vais aller leur donner leur lico. S'ils le veulent vraiment, je vais aller leur donner leur putain de lico. J'y étais. Je me serais soigné. C'était un dip, les gars. Et je décide après ça de prendre ma voiture et d'aller me promener un petit peu, histoire d'essayer de faire des petits counters, tout ça. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu, je meurs. Et quand je respawn à la maison, j'ai une petite surprise. Tu marches sur un truc. C'est une base de raid, les gars. C'est une base de raid. On va attendre, les gars, on va laisser roquette. On veut que ça roquette. Mais alors on peut appeler ça le counter raid le plus rapide de toute ma vie. Est-ce que je raiderai pas leur base de raid? Did it for the West Coast, did it better than most.
Ah, j'ai potato. Hello. 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 Tu m'emmerdes! Merci à eux pour le raid on. C'était super cool, un peu court à mon goût, mais bon. Et là, je me rends compte que j'ai un nouveau voisin. Un petit voisin à côté de chez moi. Je décide d'aller lui dire un petit coucou, histoire qu'il comprenne un petit peu chez qui il est, tu vois. Yeah boy! Eh ben ça c'est fait! Yes! Mais c'est quoi cette journée? Mais comment ça passe? Comment je passe là? Mais comment? Mais c'est pas possible! Ouais. Mais lui il est pas passé, tu vois. Par exemple. Il est pas passé. Il est pas passé. Mais comment ça passe? Mais même moi j'y crois pas, frère. Pour moi j'étais mort quand j'ai vu arriver au DB le coup de Shaggy Drum, je fais ouais bah allez bon respawn on lit puis on recommence sur ce qu'on était, tu vois, on bataille pas trop, tu vois. Mais là, est-ce qu'il y a des nicombes dans ce maison? J'ai pas l'impression. J'ai eu plein de mauvaises idées. Pas bon. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette journée, tout était incroyable, tout s'est passé super bien, tout s'est passé hyper rapidement. Et là je me dis, autant pas s'arrêter là. Vous rappelez du mec Thompson au début? J'avais pas ce qu'il fallait pour le raid, maintenant on a ce qu'il faut. Donc je prends des tourelles, je prends tout ce qu'il faut, go raid. What?
Mais attends. Je crois qu'ils sont en train de raid le raid que je veux raid là. Je savais bien que j'allais tuer un mec dans le coin. Voilà les petits doutes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce web, c'était vraiment exceptionnel. J'espère en avoir d'autres dans le même style. Richesse, des voisins plutôt sympas, tout ça quoi. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo, ou au prochain live, dimanche prochain. Tchou !